Ariane Group wanted to celebrate the 40 years of Ariane. We wanted to thank all the men and all the women who are working or have worked to make this dream possible. We met Pyramide, the young, talented French guy. Je m'appelle Étienne, du coup j'ai un projet qui s'appelle Pyramide. C'est un projet vraiment basé sur des notions d'espace, d'imaginaire. Ça fait maintenant 8 ans que je fais ça à temps plein, avec cette même volonté de créer de la musique électronique et spatiale. Electronic music has a lot in common with Ariane Group. It has deep roots in France and Germany. It is 40 years old, like Ariane. Ariane, c'est un nom que j'entends depuis que je suis gosse. Dès que j'ai entendu parler du projet, c'était vraiment basé sur un truc plus... un peu plus science-fiction, forcément. Plus imaginaire, de la fusée, du décollage, de tout ça. Et le fait de les rencontrer, de voir un peu comment c'est en interne, comment ils bossent, ça a un peu changé ma vision de comment je vais composer. Parce que je vais autant garder le côté imaginaire, qui est très important pour moi, et vraiment essayer d'avoir aussi ce côté conception, un truc très artisanal en fait. Et moi ça m'a plu dans le sens où quand je fais de la musique électronique, j'utilise de plus en plus de synthé, parce que chaque synthé a sa propre spécificité, ses propres défauts, ses propres sons que j'arrivais pas forcément à reproduire. C'est-à-dire que je mélange autant le digital que l'analogue. Et c'est vraiment le même cas pour Ariane, c'est-à-dire qu'il y a autant d'ordinateurs et de machines que d'humains qui construisent. We wanted him to have a freedom to express himself. We just said that he should talk about 6 topics directly linked to Ariane's story. The European dream of space, the success of Ariane 5, rocket science, and the mission to the moon and beyond. La première track que j'ai fait, c'est la façon de raconter la jeunesse de Ariane. Avec ce que ça inspire d'imagination, qui est un truc qui monte très progressivement, genre les bribes de rêve, les débuts d'imaginaire, c'est-à-dire que c'est que des petits bouts faits à droite à gauche, plein de synthés qui s'accumulent petit à petit, jusqu'au moment où la musique explose en soi, pour vraiment avoir la concrétisation, genre ok, on a monté tout ça, maintenant c'est concret, on a vraiment ça. Pour moi, le tournant de l'EP, c'est la notion de décollage. Je veux vraiment réussir à créer un truc qui monte aussi pareil progressivement et qui surprenne quand ça part. C'est hyper excitant comme projet. D'autant plus quand moi j'ai mon univers musical et imaginaire, enfin visuel, qui est vachement basé là-dessus. Et je veux vraiment faire honneur à ce projet. Ouais, je veux le faire à fond, quoi. Je veux que ça se sente dans la musique.